Salut à tout le monde, c'est Tazeric Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro normalement 24, c'est ça, normalement, de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 1 The New Green Stars. Les amis, j'espère que vous allez bien, les amis. Alors, au cas où, je précise, les amis, j'aurais peut-être à dire les amis à chaque fois. J'ai eu un problème audio la fois dernière, j'ai complètement zappé d'enregistrer mon record audio, voilà, au moins vous le savez. Durant les deux précédents épisodes, je me suis même pas rendu compte que j'enregistrais plus l'audio. Donc voilà, donc le problème est corrigé, je suis aussi en train de voir que ma bande audio passe très bien. Donc voilà, donc normalement il n'y a pas de problème, donc du coup logiquement bah, vous avez l'audio. Au cas où, cette semaine, pour me faire un peu pardonner, il y aura un total de 3 vidéos. Voilà, donc je vous précise que vous aurez jusqu'à l'épisode 26, voilà, de ce let's play, ce qui permettra de bien avancer. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va prier qu'on avance bien, parce que souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué tout simplement. Alors, il me semble qu'on avait fini le Gold Leaf et on avait attaqué la boucle océane. Et aujourd'hui, bah, on va continuer hein, cette petite boucle océane en espérant qu'on puisse attraper d'autres étoiles vertes, en espérant que cette semaine on puisse avancer. Nous sommes à 73 étoiles et il nous en manque plus que 30 au total. Voilà, plus que 30 au total. On se rapproche dangereusement de la fin. De la fin de cette roumaque. Encore 30 étoiles à tenir. Et du coup, ben, les amis, c'est parti. Alors, on avait récupéré du coup les possibles étoiles vertes qui étaient ultra compliquées. Vraiment, allez voir. Vraiment, l'épisode précédent, allez voir, c'était très très compliqué. Et du coup, ben, aujourd'hui, on va récupérer cette Green Star là. Alors, je sais plus où. Alors, je sais plus où elle aurait été. Elle pourrait se situer, on en avait vu une, voilà celle-là qu'on a déjà récupérée. Alors l'autre par contre, that the question, ok. Bon, bon bah, on va voir. Hein. Ok. Ok, donc c'est celle qu'on entend, c'est à côté. C'est celle qui est à côté. Donc là, ça pète de partout, hein, c'est ça le problème. Ouais, ça pète de partout. Tac. Donc là, il n'y a pas d'étoile. D'ailleurs, on peut peut-être essayer d'en voir une là, non? Il n'y en a pas une ici? Non, il n'y en a pas une ici. Ok, bon, on va faire tout le tour de la galaxie. On va prier pour que on en trouve une. Tac. Tac. Allez, 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 allez. Alors... Est-ce qu'on en entend une? Alors, j'ai pas l'impression qu'on en entend une. Non, j'ai pas l'impression qu'on en entend une. Donc on va continuer, hein. De toute façon, la galaxie est grande, donc... Donc on va continuer. Tac. Alors je regarde quand même si ça raccorde bien, parce que ça sera encore même plus ballot que ça raccorde pas, mais ça raccorde bien. Ok, on en voit pas. Ok, aucune étoile verte. Pensez qu'à votre avis, elle peut être là-dessus. C'est... Parce que ça a l'air d'être... C'est compliqué à y accéder là-dessus si on n'utilise pas la technique du... Si on n'utilise pas cette technique-là. Ah, c'est sûr qu'elle est là-dessus. On va aller voir ça, d'accord? Ok. Bon, c'est ultra chaud. Je me demande s'il y a peut-être un triple saut, ça pourrait pas passer. On l'entend. Ok, on l'entend. Je l'ai attendu. Vous l'avez attendu? Moi, je l'ai attendu. Et c'est pas celle qu'on est tout en haut. Donc, elle est derrière. Elle est de ce côté. C'est sûr qu'elle est au-dessus. Mais pour arriver au-dessus, alors peut-être par l'autre côté. Après, elle peut être en bas. Hein. Attendez. Je me fais peut-être du souci pour rien.
On l'entend. Ah bah elle est dans le... Ok, elle est dans le tunnel. Bon bah parfait. Parfait. La première de l'épisode. Bon, on a mis un peu de temps parce qu'on savait pas où elle était exactement. Enfin, vu que c'est une très grande galaxie, donc savoir où elle est précisément, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Au moins, on l'aura fait. Donc la première de l'épisode, donc c'est quand même pas mal. Enfin. Enfin. Donc plus, il n'en manque plus que 29, normalement. Et du coup, bah, on va s'attaquer à la dernière de cette boucle océane. Slide Galaxy, Sea Slide, Sea Ocean Slide, je sais plus comment il s'appelle exactement. Sea Slide, c'est bien ça. Et du coup, c'est dans le troisième. Alors, c'est vrai qu'il y a un canon, donc ça serait pas étonnant qu'elle soit dans le canon. Ça serait même logique en fait qu'elle soit dans le canon. Enfin, dans le canon, quand on prend le canon, quoi. Parce que voilà, celle-là, c'était l'horrible étoile, elle était dégueulasse à attraper. Mais ça serait pas étonnant, genre il faudrait viser avec le canon bien comme il faut. On va prendre ça pour aller plus vite. Hein. Donc évidemment la première chose qu'on va aller c'est passer au canon. Ah par contre si aller au canon et qu'il faut arrêter, enfin il faut bien viser ou quoi, enfin il faut enlever le truc. Peut-être un peu chaud mais bon j'ai contrôlé. Mes maps, ma mapping qui peut être bien. Là on l'entend pas. Mais à mon avis elle est là-dedans, je vous le dis. Attendez. On va aller là pour avoir plus d'informations. Ah merde, je peux pas. Attendez, je me permets de changer, comme je vous ai dit, mes mapping, donc manette, configurer. Normalement, j'ai Butterjoy. Canon, voilà. Charger. Et normalement, je sais plus comment je faisais. Monter avant arrière. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. On peut pas dézoomer dans ce jeu? Ah, comme ça. Pas d'y arrive pas à dézoomer plus. Ah comme ça, ok oui. Est-ce qu'à votre avis vous voyez une étoile? Non, on voit pas d'étoile. Donc c'est pas ici. Ok, alors si vous pouvez me permettre, oui bon ça c'est logique. On va charger, on va mettre juste Butterjoy. On va mettre juste Butterjoy. Voilà. Voilà. C'est bon. Comme ça et moi y a pas de problème. Donc c'était pas ici. Donc elle n'est pas avec le canon. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Le problème c'est qu'elle peut être de partout hein, du coup ça n'est pas dans le canon. Parce que la troisième, si je dis pas de conneries, elle était pas derrière normalement. Ah, on l'a vu, elle est là-bas. Elle m'a fait... En fait, vous pensez avoir vu un truc qui scintillait. On doutait qu'elle ait bien une là-dedans quand même. Ah merde. Ça me nique la tenue. Ah pour aller là-dessus sans le truc. Ah boy. En fait j'arrive pas à me mettre là-haut directement. Ok, on va essayer de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté on y arrivera mieux. Après on pourra essayer d'être derrière. Hein.
Attendez, je pense qu'on peut. On peut y. Je pense qu'on peut y arriver par. Par ce côté-là. Ça va être chaud quand même, hein. À mon avis, il faut le costume de l'abeille, hein. Mais ok, la caméra qui fait que des conneries. Parce que ça, ça servira à rien, de toute façon. On va essayer ce côté-là. Alors, j'ai l'impression que ce côté-là, c'est... on n'est pas le plus avancé, hein. Ok. Alors, j'ai peut-être une théorie, du coup, mais je sais pas si cette théorie va marcher. Non, cette théorie va pas marcher, donc on va aller tester de l'autre côté. Ah, peut-être par là, genre par ce côté-là, avec l'abeille. Ah, peut-être, on a peut-être une possible solution. On va tester ce côté-là, sinon on va peut-être pouvoir... il y a le costume de l'abeille, c'est juste qu'il faut réussir à amener le costume de l'abeille... là, et une fois qu'on est là, il faut réussir à aller là-dessus. Oh là 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 là. Oula. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a plus de... Merde. Il y a plus de jeu là. Bon, on va quand même aller derrière. On va retourner sur nos pas. On va retourner sur nos pas avec le costume d'abeille. Normalement, il y en a un là-bas directement. Voilà, il y en a un là-bas directement. Ah merde, non, il n'y en a pas du tout en fait. Donc on n'a pas le choix, il faut absolument prendre celui-là là-bas. Bon, en fait, il faut vraiment flunter de malade quoi. Il faut faire la technique qu'on a fait pour cette étoile, mais sur le truc quoi. Par contre, on a tellement peu de surface. Donc pour y arriver, ça va être un peu chaud, mais... Allez, il faut faire ça en fait. Il faut faire ça de là à là. Et ça, ça va être très bouillant, je vous le dis. Ça va être très très chaud. Attendez, mais comment on fait pour... Je suis en train de penser, mais... on peut pas aller là-bas directement. Mais on peut pas aller là-bas directement. On peut pas aller là-bas directement. C'est mort. C'est mort, on peut pas aller là-bas directement. Il y a un truc que je fais mal, c'est pas possible. Tac. J'ai l'impression qu'il y a plus de jeux là, donc peut-être avec un triple saut ça passe. Là, si à peine j'arrivais à avoir la hitbox pour pouvoir faire le genre de slide glitch là. Dommage. J'arrive pas à faire le triple saut bien comme il faut. Il y a un truc que je fais mal, hein. Il y a un truc que je fais mal, je sais pas c'est quoi. Oh merde. Ah, je vois pas comment je peux faire, hein. Là-dedans, c'est une planète à 300, donc on peut pas. 360 degrés, donc on peut pas. Là-bas, on a essayé. On va essayer de l'autre côté, hein. J'ai l'impression que c'est un peu plus jouable ici, mais... Le problème, c'est que le costume de l'abeille, on aurait résolu ce problème en rien de temps, quoi.
Avec le costume de la... Il est con ce Mario. Avec le costume de l'abeille, on aurait résolu ce problème en rien de temps, donc... On va tester une autre méthode. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Mais c'est ultra chaud bouillant en fait. Oula 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 oula, doucement doucement. C'est un truc comme ça qu'il faut faire, on n'a jamais été aussi haut. Ok bon, on a trouvé la méthode déjà. Maintenant il faut réussir à se réceptionner là-haut quoi. Et ça c'est le plus, c'est limite le plus compliqué quoi. J'ai l'impression que ce côté-là, on est trop bas. On va essayer sur l'autre côté. Dans ce côté-là, là. Parce que paradoxalement, j'ai l'impression que... Oh, quoi ? Comment ça, je me suis fait avoir bêtement, là. Non. Non, 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 trop... Après peut-être de l'autre côté, mais... Voilà, attention, on va reculer un petit peu. Oh, attention, pas les de geyser, voilà. Le problème c'est qu'avec Ah putain. Je pense qu'en plus ça se joue pas loin quoi pour faire le truc. On va essayer de l'autre côté. On va essayer ce côté là. Parce que là ça, c'est en pente, ça descend. Donc peut-être si genre un peu chaud là quand même hein. Chaud quand même hein. Ah, au cas où s'il y a un bug à avoir à quelque part, je ne le connais pas hein, si c'est la question que vous vous posez peut-être. Voilà, c'est pas du tout jouable ce côté là hein. C'est pas du tout jouable ce côté là finalement. J'ai l'impression que l'autre côté il est plus prospère hein, vous voyez. Non. Mais on a trouvé possiblement peut-être quelque chose d'intéressant. Donc ce côté-là est plus jouable, j'ai l'impression. Oh putain, what the fuck. Bon, lui il va me gonfler longtemps. Genre on peut pas par là-dedans. Il n'y a pas un passage secret qui nous mène en haut. C'est juste pour savoir. Ah, donc on tourne. Oh fuck you. Je suis sûr que c'est ce côté là, c'est beaucoup plus jouable. Je pense qu'on est à peut-être à un poil d'une collision qui permet de glisser et faire le truc en question. Ah bah là je m'en doutais que ça allait pas passer. Je l'ai fait trop proche. Le problème c'est qu'il y a derrière il y a le geyser donc. Ok. Il y a un endroit où ça va passer. Hein. Je sais pas lequel, mais... Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus jouable ce côté-là que le côté là-bas. Putain, alors, si on avait le costume de l'abeille, on aurait résolu ce... Le problème en a rien de temps, quoi. Non.
Ah putain, j'arrive pas, hein. J'arrive pas. Ça me gonfle, j'arrive pas. En fait, je vois pas ce qu'il faut faire d'autre. Parce que jamais avec le costume de l'abeille, même si on va tout en haut de l'arbre, on arrivera ici. Hein. Jamais de la vie, hein, je vous l'annonce. Non, je pense qu'il y a une collision chelou qu'on peut avoir. Mais pour l'avoir, what the fuck, quoi. On va essayer comme ça. Non. Sinon, attendez. Peut-être en gagnant un peu de vitesse. Genre, on est là, on gagne un peu de vitesse. Non. J'ai l'impression que c'est même pire en gagnant de la vitesse, donc... J'ai l'impression qu'il faut vraiment gagner zéro vitesse, quoi. J'ai l'impression que là je peux pas faire mieux, hein. Attends, putain, on va faire que deux étoiles aujourd'hui, hein, parce que j'arrive pas à trouver comment on peut aller là, quoi. Ah, ça je m'en doutais, j'étais trop proche. On tourne. Oh putain. Peut-être avant de cogner le mur, il faudrait peut-être que j'arrive à aller encore un peu plus haut. Donc... Je vois pas comment je peux l'attraper. Je sais pas si c'est bien ce que je fais ou est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Ok, donc à mon avis c'est pas ça qu'il faut faire du coup. Peut-être le triple saut. Non. Ah, c'est pénible. Non, 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 hein. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ça veut pas? Vous pensez qu'on peut... Attendez. Non. Non, parce que la caméra n'est pas non plus très loin, donc... Non, la caméra n'est pas non plus très loin, donc ça servira à rien. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça c'est sûr. Donc à mon avis, il faut le costume d'abeille, c'est... Parce que cette galaxie, ça servira à rien d'y aller parce que de toute façon on pourra pas prendre l'attraction de l'autre truc. Le canon on peut pas tirer derrière donc c'est pas possible. De là-bas à là, c'est clairement pas possible. De là-bas à là, c'est pas non plus possible. Peut-être en étant tout là-haut. Peut-être réussir à faire ça à là. On va essayer. Non, non, non. Oh boy.
Hop. Eh, parce que je vois ce qu'il faut faire. Mais comment tu veux faire ça? C'est tout le problème. Ok, une fois qu'on est là, assez qu'on peut. Non, jamais d'avis. Et si on saute à chaque fois? Non, j'allais dire si on saute à chaque fois, mais non. Donc ça ne marche pas. Je vois pas ce qu'il faut faire. Je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Oula, pas de panique. Mais là, parce qu'il fait un moment où... Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Je vois pas ce qu'il faut faire. Ça craint de me spoiler là-dessus quand même. C'est... J'ai pas envie de le faire, quoi. Parce que je pense que c'est tout con. Le pire, c'est que je parie que c'est tout con, donc... J'ai pas envie de me spoiler là-dessus, alors que c'est vraiment tout con, quoi. Alors là... C'est clairement tout con, quoi. Donc... Alors là, jamais je passe. Ça veut pas. On va essayer au milieu. On n'a pas essayé au milieu. Vas-y, sors de l'eau. Non. J'ai aussi une autre petite théorie, mais chaud à faire, hein. Très chaud à faire, hein. La théorie serait que j'amène une carapace là-dessus, là. Voilà. Une fois que j'ai la carapace là. Oh putain, merde. Non. En fait, il faudrait que j'arrive à faire un triple saut. À nier la carapace ici. Et en fait, avec le triple saut, je la lance, je gagne un petit peu d'auteur. Et j'essaie de me réceptionner ben, comme je peux. Mais le souci, c'est qu'étant dit. C'est que c'est hardcore d'amener la carapace déjà là-dessus, alors là... Oula, oula, oula. Ah oh bah d'accord, super. On va taper un game over. Ok. Hop, ok. Ah, parce que se taper un triple saut. La caméra. Merci. Se taper un triple saut avec la caméra, avec ça, on la lance.
Et on essaie de se cogner contre la planète et revenir. Donc là on est bon. Allez. Ça a pas passé, c'est clairement pas passé. Je veux savoir si je suis sur la bonne voie. Je vais aller quand même voir. Savoir si au moins est-ce que je suis sur la bonne voie quoi. Parce que je complètement je vois pas. Hein, On va pas rester là mille ans les amis. Pour savoir au moins si je suis sur la bonne voie quoi. Je suis sûr que ça va être débile. Alors, je viens de voir une miniature, le mec, il est en abeille. À un endroit, je sais pas où, mais il est en abeille. Donc, c'est possible en abeille. Ok, soit, hein, mais... Ok, je sais pourquoi, je sais comment. Peut-être de là, non? Alors ça, j'ai pas vu, hein. J'ai vu juste le mec... Un abeille vers la fin d'une vidéo, donc je sais même pas si c'est vraiment cette étoile là hein, parce que j'ai pas y a pas marqué dans son truc Green Star Secret ou quoi que ce soit dans les chapitres hein. Donc bon, on va essayer un abeille et au pire si c'est pas un abeille ben je regarderai la vidéo et on verra hein. On va pas y passer mille ans hein. Truc mais c'est encore, on va pas glisser là dessus. On glisse pas, ok. Ok. Mais c'est horrible. C'est le même problème que l'autre truc à la con. Que l'autre étoile. Je suis même pas sûr que c'est ça hein. C'est peut-être pas ça, hein. C'est juste que j'ai vu un mec, un abeille sur du sable, qui pourrait ressembler à cette galaxie, je me suis dit, en fait, juste vu, j'ai été dans les chapitres en bas, ma souris est passée, vous voyez, il y a les miniatures, les previews de la miniature, enfin, la preview de l'endroit où vous voulez regarder, en fait. Et du coup, je me suis focalisé, enfin, je me file sur ça, en fait. File sur ça. Mais c'est certainement peut-être pas comme ça qu'il faut la récupérer, hein. La technique de la carapace, j'ai l'impression que c'est la meilleure, mais le problème, c'est qu'on est... On est trop bas. Si on arrivait à aller un poil plus haut, ça serait trop bien. Tac. Oh putain. Oh c'est bon. On a réussi. Alors là. Alors je sais pas exactement ce que... Je vais revoir la preview. Savoir si est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est à ce moment-là? Ah non, même pas, d'accord, même pas. Ah non, même pas, c'est même pas l'étoile que je vous ai dit. En fait, c'est l'étoile, le truc du sable que j'ai vu, c'est l'étoile qu'on a déjà récupérée, donc c'était même pas comme ça. D'accord, donc en fait, ça va même à rien de me faire spoil, en fait. Je pouvais même pas deviner, d'accord. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera du coup pour l'épisode prochain à lequel on s'attaquera normalement à notre prochaine étoile. On pourra s'attaquer normalement à la galaxie un peu cachée. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 24. Et on se dit à l'épisode 25. Bon, il y aura 3 épisodes cette semaine, ce qui permettra au moins de continuer notre aventure bien comme il faut hein, même si bon, on n'en aura pas récupéré énormément. On espère au moins récupérer 6 ou 7 cette semaine au total hein, je parle. Donc voilà, sur les 3 épisodes. Et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.